Dans notre association des infirmières sages-femmes, nous saluons la presse Nani qui fait déplacement pour venir convoquer une chaîne d'activité ça, qui c'est Journée internationale des sages-femmes. Nous célébrons la journée 5 mai 2021 sous thème Chiffre parler, investir dans sages-femmes. L'association des infirmières sages-femmes, c'est une association qui est créée depuis l'année 2004, qui réunit toutes les professionnelles sages-femmes dans le pays d'Haïti. Ça cap vivre l'autre bord de l'eau et même sages-femmes étrangers cap vivre en Haïti. Mission nous, c'est travail pour développement sages-femmes, pour profession sages-femmes qui aller plus loin dans le pays. Vision nous, c'est que toute femme, active bébé, a besoin de bon genre soin pour pratique sages-femmes, c'est même bagaille dans toute institution santé. Année ça, pour journée internationale sages-femmes, nous faisons plusieurs activités pour marquer la journée ça. Formation pour sages-femmes qui sont dans trois départements, puis l'autre projet sages-femmes, qui c'est NIP, SIDES et Grandens, pour rafraîchir mémoire sur qui gens pour reconnaître et puis gérer l'urgence obstétricale dans les femmes bon gens soin. Nous avons une plateforme téléphonique là, qui est là 24 sur 24, 7 jours sur 7. Pour bailler la population en général information sur grossesse, accouchement, planning, comment pour jeunes yo comporter yo pour yo pas tomber enceinte avant l'heure, comment pour papa yo aider madame yo là yo enceinte ou bien là yo fin accoucher aider yo prendre soin petit bébé yo. Donc sur grand téléphone Digicel ou carrelé dans 8227 et sur grand téléphone Natcom ou carrelé dans 28 14 01 71 pour joindre bon gens information. Et année 2021 ça c'est une année pour nous gommer pour nous faire autorité reconnaître rôle sage-femme à capacité yo pour yo bailler place dans système santé a même gens ça fait dans tout l'autre pays. N'a fini pour nous remercier tout partenaire nous yo qui permettent réalisation activité ça yo. Tant que MSPP Association des sages-femmes canadiennes UNFPA, ministère de la condition féminine, comité départemental association sage-femme et toutes sage-femmes qui sacrifient pour faire association, vini plus fort et un gros remerciement pour la presse Nanip.